الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. شيخ فيصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينو شابقانكم سيانا فالير quand un musulman lui fait salam, quand un chef de l'Union de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui fait dire assalamu alaykum Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire les 10. Un deuxième dimon fait dire assalamu alaykum wa rahmatullah. Il ajoute sa phrase wa rahmatullah là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire les 20. Un troisième personne fait dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'élin fait assalam là pour ce qui plie meilleur, pour ce qui plie complète. L'élin dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin jali 30. Donc ce qui nous apprend à travers ce hadith là, comment quand nous ajoutons quelques phrases, quand nous faisons salam, oubliez que nous avons l'habitude, la plupart parmi nous, quand nous faisons salam, ou soit nous répondons salam, nous disons aziz, assalamu alaykum, ou soit wa alaykum assalam. Comment quand nous ajoutons « wa rahmatullah » ou « wa barakatuhu » quand nous ajoutons cette phrase-là, comment nous gagnons récompense en plus? Comment nous gagnons récompense en plus? Récompense-là est augmentée par 10. Je dis « wa rahmatullah » je gagne 10 récompenses en plus parce que je finis de dire « assalamu alaykum » et « wa barakatuhu » je gagne 30 récompenses mon action. Donc comment nous finis de dire en tant qu'un celui qui est un imam, en tant qu'il nous visait faire, en tant qu'il celui qui nous visait faire effort pour nous augmenter, nous balance bon action. Donc c'est une occasion. C'est une occasion que de tiquer les temps, de quelques secondes, nous capables de gagner beaucoup de récompenses avec Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce que nous faisons salam ou sans nous répondre salam, nous répondons pour ce qui plie meilleur, pour ce qui plie complète. Action qui est avec nous aujourd'hui, c'est un doigt que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Un doigt que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour nous demander. Et connaît Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fin crée insan. Allah subhanahu wa ta'ala lui fin crée insan faible. Allah fin crée nous faible et un parmi man faiblesse, comme Allah même fait connaître dans le Coran. Wa khuliqa al-insan du'ifa. Insan lui fin être faible. Et un parmi les faiblesses que Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre dans l'insan, c'est que l'insan les commet péché. L'insan les désobéit à Allah. Un démon, son iman, les capable de n'importe quelle qualité. Arrive un moment de sa vie que les pour commettre une désobéissance. Arrive un moment de sa vie que les pour tomber dans le piège de Shaitan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître kullu binu Adam khatwa. Tous enfants Adam, sans exception, ont commis un péché. Ils ont fait une erreur. Nous pas parfaits, nous pas anges. Ange, c'est une créature qui Allah subhanahu wa ta'ala dit la ya'asoun Allah ma amarahum. Ils ont pas désobéi à Allah zami. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, pas fin de nous sa qualité là, nous, insan. Allah subhanahu wa ta'ala fin que nous faibles. Et par une faiblesse qui Allah fait mettre dans l'insan, c'est qu'il nous désobéit à lui, nous commettons un péché. Ce qui est plus important, c'est que nous devons connaître comment nous pouvons réagir. Étant donné qu'il péché, tout le monde commet péché, ce qui nous devons connaître, ce qui est plus important, comment nous pouvons réagir quand nous finissons commettre un péché. Comment désobéir à Allah, qui est mon réaction? Est-ce que comme si, peine n'a rien de mal qui finit d'arriver? Je continue la vie normalement. Je continue la vie normalement, sans aucun regret, sans aucune tristesse. Ou soit, je regrette. Je sagrin. Je connais, ça péché qui m'a fait commettre là, c'est une petite chose que Allah subhanahu wa ta'ala a fait défendre. Je finis commettre ça péché là, à travers ma faiblesse qui Allah a fait mettre dans moi. Je finis laisse moi-même piéger par Shaitan et l'Allah. Nous prenons une action qui est bizarre. Parce que qui est une chose qui pousse un démon pour faire taouba? Qui est une chose qui pousse un démon pour faire taouba? Pour plaindre avec Allah, pour demander à Allah pardon, c'est regret. C'est regret. Ce démon-là, si peine à regret, jamais il n'est pas intéressé pour demander à Allah pardon.
faudrait pas nous prendre l'exemple de Iblis. Les fils désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement sous l'arrogance qui tient dans lui, finant pesli pour les retourner vers Allah pour les faire tauba. Faudrait pas nous penser que, moi pas mis à Allah sur pardon moi. Faudrait pas nous penser qu'ils m'ont pas mis à Allah sur pardon moi. Qui fait mis à Allah sur pardon? Faudrait pas nous venir parmi sa catégorie du monde qui pensait, moi pas mis à Allah sur pardon moi. Nous visons prendre l'exemple de Adam alayhi salam. Nous papa Adam alayhi salam, premier insan qui Allah fin créé. Lui fin désobéir à Allah, mais seulement, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Adam alayhi salam, lui fin reconnaître son erreur, lui fin demande Allah pardon, fataba alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala fin pardonne lui. Allah fin pardonne Adam alayhi salam. Donc nous aussi pareil, nous réactions, n'importe quand, nous finissons commettre une désobéissance, nous finissons commettre un péché, nous réactions, c'est bizarre et un regret. Nous bizarre regretter, si nous avons un iman, si nous avons celui qui nous a la frayeur de Allah subhanahu wa ta'ala, sa punition, vous connaissez, si nous commettons un péché à part de shirk, et nous pas gagner Allah sur pardon avant de quitter sa dunya là, nous allons aller. Et dans le sens que si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de pardonnement de l'akhirat, il n'y a aucun doute, vous allez traverser un séjour dans l'enfer. Si Allah n'a pas de pardonnement dans la dunya et dans l'akhirat, pour n'importe qui péché qui m'a fait commettre, à part de shirk, et dans le sens que vous allez traverser donc un séjour dans l'enfer. Un musulman, un celui qui connaît, l'enfer, c'est même plus mauvaise place qu'il y en a, il n'y a pas beaucoup de temps. Pour aller dans l'enfer, même pour une seconde. Même pour une seconde, il n'y a pas beaucoup de temps pour aller dans l'enfer. Donc, à chaque fois qu'il nous désobéit, Allah subhanahu wa ta'ala retourne vers Allah. Retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, « Watubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun. » Et retourne vers Allah. Retourne vers Allah. Fais tauba sur tout. Afin qu'il soit capable de faire réussite. Allah donne l'autre man croyant pour retourner vers lui. Fais tauba. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah kumutan ban ki retourne vers lui. Et pourtant, ça dit moun la, l'in désobéir à Allah. L'in faire quelque chose qui Allah pas content. Mais quand il retourne vers Allah, Allah kumutan. Allah kumutan. At-ta'ibu min al-dhambi kama la dhambala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. At-ta'ibu min al-dhambi. En celui qui le fin retourne vers Allah pour ban péché qui le fin commettre. Quand nous peut dire retour avec son ban condition. Avec ce même condition, un retour sincère, comme Allah dit, « Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha » Au ban qu'il y a iman, retourne vers Allah, fais un tawbah sincère. Pas un tawbah qui dit sur la langue, vous dites « Astaghfirullah, je vais faire un tawbah » et en même temps, je vais faire l'intention. Quand prochaine fois, je vais désobéir à Allah. Quand prochaine occasion, je vais gagner pour me commettre ce péché-là. Ça fait un tawbah sincère. Un tawbah sincère, c'est que ça dit mon là, les regretter. Non seulement qu'il est regretté, il fait l'intention pour lui pas retourner vers sa péché là encore. Et pour lui, il y a l'avantage qu'il nous gagne. Quand un démon lui fait tauba, Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa man tauba wa amana wa amila amalan saliha, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ban qui fin fait tauba, pas de faire tauba, fini la même. Montrez Allah, nous remous. Montrez à Allah qui nous chagrine, nous regrette. Comment? Pour nous suivre sa péché-là, pour une bonne action. Inna al-hasanat yudhibna al-sayyi'at. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître, Inna al-hasanat, certainement, une bonne action, yudhibna al-sayyi'at, zot efface une mauvaise action. Suivre sa tauba-là, pas juste faire tauba, finir la même, non. Suivre sa tauba-là, pour faire une bonne action. Pour faire une bonne action, pour montrer à Allah qui vraiment nous sincère, vraiment nous fait regretter pour sa péché qui nous fait faire là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même Allah subhanahu wa ta'ala, si nous voulions le Coran, nous pouvons trouver. Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous une parole pour nous prononcer, pour nous gagner ce pardon. Par exemple, comment nous dit Adam alayhi salam, premier djimoun qui Allah fin créé. Quand il fin désobéir à Allah, il fin retourne vers Allah. Il fin retourne vers Allah. Par exemple, une parmi les phrases qui nous capable prononcer, une parmi les doigts qui nous capable demander,
pour nous gagner Allah sur pardon. Rabbana zalamna anfusana. Oh nous Rabb, zalamna anfusana. Nous fin faire nous-mêmes dit-on. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Si tu pas pardonne-nous, tu peux n'en pitié l'on nous. Lanakunanna min al-khasirin. Nous pouvons pas mis ban payadon. Comme ça même Yunus alayhi salam. Quand il fin désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, il quitte ce peuple, il fin aller. Quand il fin rendre d'avant un poisson. Qu'il fin dire, comme Allah fait qu'on est fanada, fait zulumat. Il fin appel Allah de noter. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Pena aucun bon te accepte toi. T'as pas fait de sans défaut, inni kuntu min al-zalimin. Moti parmi ban qui fin faire les mêmes dito. Ça c'est quelques bonne phrase que Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionné dans le Coran, que ce bon prophète fin servi pour se demander le pardon. Comme ça même Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous bon doigt pour nous demander Allah pardon. Par exemple, dans namaz, quand nous faisons namaz, dans sijida, un bon doigt que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour nous demander dans sijida. Nous habitons dire Subhana Rabbi al-A'la. L'habitude de Subhana Rabbi al-A'la dans le Sijida. Pour nous namaz, pas une routine. Chaque fois nous lions même doigt dans le Sijida, nous lions même phrase. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous les autres phrases pour nous prononcer dans le Sijida. Parmi, Allahumma ghafir li dhambi kullahu. Oh Allah, pardonne mon péché, tout mon péché. Diqqahu wa jillahu. Mon grand péché et mon petit péché. Awwalahu wa akhirahu. Mon premier péché et mon dernier péché. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره وعلانيته وسره بان péché qui apparent et aussi بان péché qui cachette comme ça même رسول صلى الله عليه وسلم فين enseigne pour nous demander Allah pardon de dernier tashahhud phrase qui nous habite il y a اللهم اني ظلمت نفسي او Allah ma fin fait moi même dit-o ظلما كثيرا beaucoup dit-o وإن لم تغفر لي وترحمني الله سبحانه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت إبياسون بابادون من بشي إكسبتي توا فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي بادون موا مغفرة من عندك أن بادون دي توا وارحمني إن رحم له موا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم سيتن ما te rafour, te pardonner et tu en as beaucoup pitié. Dans ce hadith qu'il y a avec nous aujourd'hui là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous un doigt. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous un doigt pour nous demander Allah subhanahu wa ta'ala pardon quand nous finissons désobéir à lui. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit qualifier sa doigt là comme un sayyid al-istighfar. Sa même chef. Sa même meilleure façon qui est là, meilleur doigt qui est là, pour un djimoun lui demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Dans tout ça, ben, doigt qui nous fait mentionner là, plus meilleur, plus bonne façon, pour un djimoun lui demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon, c'est l'ilia, sa doigt là, sayyid al-istighfar, chef, sa même meilleure, sa même plus bonne façon qui est là, pour un djimoun lui demande Allah pardon. Qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin qualifier sa doua là comme un sayyid al-istighfar à cause contenu sa doua là. Quand nous guettons sa doua là, c'est un doua qui englobe Allah subhanahu wa ta'ala sur l'unicité. Quand sa serviteur là, il peut reconnaître Allah comme un sorab. Il peut reconnaître qu'il est un serviteur d'Allah. Qu'il peut reconnaître un faveur Allah. Il peut reconnaître ce man péché qu'il est fin commettre. Et finalement, il peut reconnaître qu'il n'y a personne qui pardonne péché excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Qui m'a une phrase ça? Qui m'a une phrase qui est là dans sa doigt là? Que chaque musulman, nous devons faire des efforts, si nous pas connaissons sa doigt là, nous apprenons lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Sayyid al-istighfar, amtaqoul. Sayyid al-istighfar, c'est te dire, Allahumma anta rabbi. Oh Allah, anta rabbi. Toi-même, mon rabb. Allahumma anta rabbi sajimun la li pe reconnaître ki Allah tout seul qui sont rabb. Rabb c'est un de man attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb veut dire c'est lui qui nourrit. C'est lui qui prend compte. C'est lui qui donne man nécessité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est rabb
pas juste pour insan. Allah subhanahu wa ta'ala, le Rab, pour toute bonne créature. Allah subhanahu wa ta'ala, le Rab de tout le monde. Comme nous lisons dans surah Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tout louange pour Allah, Rabban le monde. La ilaha illa anta. Ça s'invite à Allah, il peut reconnaître qu'il peine à aucun ilah, peine à personne qui mérite l'adoration, peine à aucun vrai bon Dieu, excepté toi, veut dire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout seul vrai bon Dieu. Allah tout seul qui mérite l'adoration. Khalaqtani wa ana abduka. Il peut reconnaître qu'Allah fin créé. Li pa fin vin lo salati ala par coïncidence, par accident comme ça même non, il y a un créateur qui fin créé lui et ça créateur là c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani, tu fin créé moi, wa ana abduka et moi je te serviteur. Il peut reconnaître qu'il est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah son Rab, Allah son maître, lui serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est un serviteur d'Allah. Veut dire, en tant qu'il y a un serviteur, il est besoin d'obéir à son maître. Il est besoin d'exécuter ben l'ordre qui son maître fin donne lui. Et il est besoin pas faire ben quelque chose qui son maître fin défendre lui. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Me respecter mon engagement et promesse qui m'a fin fait à toi, quantité qui m'a capable. Quantité qui m'a capable. Parce que comment nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala fin crée nous faible. Arrive un moment dans la vie que nous pouvons désobéir à Allah. Arrive un moment dans la vie que le shaitan peut embêter nous. Donc nous respectons nos engagements et nos promesses qui nous font faire à toi. Promesse pour obéir à Allah, maximum qui nous capable. Promesse pour vivre dans l'obéissance à Allah, quantité qui nous capable. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Je cherche protection avec toi contre le mal de ce qui me fait faire. Je cherche protection avec toi contre le mal de ce qui m'a fait faire. Nous cherchons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre ben, le mal qui nous fait faire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est tout seul qui est capable de protéger nous contre ben, le mal qui nous fait. Apporte Allah, peine à aucun protecteur, peine à personne qui est capable de protéger nous. Abou oulaka bi ni'matika alayhi. Bon, reconnaître avec toi ton faveur au moins. Ça, c'est qualité incroyable. Tous les temps, il montre, il est reconnaissant. À ma faveur, qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait faire l'oli. Un croyant, un qui n'a iman, faudrait pas qu'il montre, il est ingrat. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a sa faveur l'onou, il est l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala a sa faveur, nous pas capables de compter. En tant qu'un croyant, nous disons qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Si nous rendons compte Allah sa faveur, jamais nous pouvons finir. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si nous montrons nous reconnaissant envers une faveur qu'Allah fin fait à nous, لَأَزِيدَنَّكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala pour augmenter sa faveur à nous. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ. C'est un démon qui montre les ingrats. Quand les gains faveur à Allah, les dit pas, moi c'est faux seulement ça. Pas seulement moi c'est faux. Qui m'a fait gain sa main faveur là. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد. Si je te montre les autres ingrats, إن عذابي لشديد مبينشون لبيان سيفير وأبوء لك بذنبي إمو ريكونيت avec toi مو بان péché ريكونيت بلاني avec الله سبحانه وتعالى ريكونيت كي او الله تفين كرينو فب او الله تفين كرينو فب او الله تفين مت sa qualité là dans nous qui nous désobéit à toi alors او الله مو peut reconnaître بان péché que مو فين commettre dans la vie reconnaître nous بان péché pas vin comme Iblis qui fait montrer lui arrogant, qui fait refuse pour reconnaître ce erreur qu'il fait faire. Et finalement, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, faghfirli, alors pardonne-moi, fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, car certainement personne ne pardonne mon péché excepté toi. Nous reconnaître que mon péché qui nous fait commettre dans la vie, peine à personne qui est capable de pardonner mon péché à part Allah, peine à aucun prophète. Pena aucun djinn, pena aucun pire, pena aucun wali Allah, pena aucun ange, pena personne qui est capable de pardonner nous nos péchés, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui nous apprend dans sa doua là, un résumé de ce qui nous apprend dans sa doua là,
Premièrement, sa serviteur-là lui reconnaît Allah comme ce seul Rob. Lui reconnaît Allah comme ce seul Rob et lui prier un seul bon Dieu, Allah. L'accepter pour vivre comme un serviteur d'Allah. Lui paraît pour accepter l'ordre d'Allah. Lui pas un rebelle envers Allah. Lui pas un rebelle envers Allah. Lui connaît. Allah fin créer moi. Allah fin mettre moi au salat et là avec un objectif pour faire son ibadat. Donc, bon, pareil, pour accepter, man, l'autre qui Allah fin de moi, bon, pareil, pour rester loin avec, man, quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin défend moi, bon, pas vivre rebelle envers Allah. Bon, pas vivre rebelle envers Allah, bon, vivre comment mon vie. Bon, vivre la vie kafir, juste nous qui musulmans. Les promettre pour vivre dans l'obéissance à Allah pendant man jour qui restait dans la ville ou la terre. Nous promettre avec Allah. Oh Allah, bon, désobéir à toi beaucoup. Bon, commettre beaucoup désobéissance dans le passé. Alors, soit Allah subhanahu wa ta'ala, mon père retourne vers toi. Non seulement que mon père retourne vers toi, mais aussi mon promette toi, qui banzou qui restait dans mon lavi, banzou qui restait là comme hier. Il est capable beaucoup, il est capable tigit, il est capable quelques temps, il est capable quelques minutes, comment il est capable plusieurs années. Donc, nous promettons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui banzou qui restait dans nos lavi, ça Allah tout seul qui connaît. Mais n'importe quand nous sommes capables, nous pouvons quitter cette dunya là, nous pouvons aller. À cause de ça, que tous les temps, nous devons rester dans l'adoration à Allah. Tous les temps, nous devons rester dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, à d'autres robes, jusqu'à ce que la certitude de l'amour vienne jouer toi. Donc, banzou qui restait dans nous la vie, l'osalati Allah nous promet avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous voudra verser dans son obéissance. Et en même temps, nous reconnaître nos faiblesses. Comment nous faisons dire, Allah fait créer une sainte faible. Nous connaît. Nous ne sommes pas capables de faire 100% ce qu'Allah fait ordonner nous pour faire. Mais nous faisons la quantité qui nous capable. Quantité qui nous capable. Nous de reconnaître de manzou qui fait passer, finit un manquement de la vie. Manzou qui fait passer, finit plusieurs manquements. Beaucoup de désobéissance finit un. Et alors, nous besoin protection Allah. Pour qu'il nous parle souffrir avec conséquence sur une mauvaise, avec conséquence de nos mauvaises actions dans l'unia et dans l'akhirat. Et ensuite, nous faisons effort pour venir plus reconnaissant envers Allah pour une faveur, une facilité qui Allah vient faire nous bénéficier et nous reconnaître nos péchés qui nous font commettre. Et en même temps, nous avons l'espoir qu'Allah vous pardonne nous et donc nous plaignons. C'est pour ça que dernière phrase de sa doua-là, farfirli, alors pardonne-moi. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ car certainement personne ne pardonne mon péché excepté toi. Ça résumé là, les trouve dans le pamphlet de Ustad Parwez Kariman Rahmahullah. Ça a quelques phrases là donc, sur valeur, sur récompense, qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. Qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا celui qui lit sa doua là, il y a sa doigt là avec conviction. C'est lui qui lit sa phrase le matin avec conviction. Mouqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsi. Et il mot sa jour là avant arrive le soir. Le matin, il fait lire sa doigt là, mais seulement condition avec yaqim, avec conviction. Il y a une conviction, il y a une yaqim dans ce qu'il peut dire. Quand il peut dire Allahumma anta rabbi wa Allah tu même mon rab. Alors, quand il y a problème, quand il y a difficulté, il pas tourne, il même vient l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a yaqin, il y a conviction de chaque phrase qui est dans sa doua là. Il y a lié avec conviction, avec yaqin. Et ensuite, famata min yawmihi qabla an yumsi. Et les mots s'ajoutent là avant qu'il arrive le soir. Avant qu'il arrive le soir, il finit quitte sa dunya là, il finit aller. Qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit? Fahuwa min ahli al-janna li parmi habitants paradis. وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ c'est lui qui l'y a lié le soir. وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا pareil, il y a lié avec yaqin, avec conviction. Il y a une yaqin, il y a une conviction de ce qu'il peut lire. فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ et les mots avant arrivent le matin. فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ les parmi les habitants paradis. Donc ce qui est important, pas juste nous apprendre le doua-là sur arabe. Après nous réciter sans qu'il nous fasse comprendre rien. Quand nous pouvons apprendre sa doua là, si nous ne connaissons pas, apprendre-le avec sa traduction. Faites effort, apprendre-le avec sa traduction, afin que, quand nous pouvons lire, nous comprenons qu'il nous peut lire. Quand nous pouvons lire, nous comprenons qu'il nous peut lire.
quand nous payons, ça doit aller, il passe une bonne parole qui peut sortir depuis nous la langue. Mais les vins, bonne parole qui peut sortir depuis nous la langue, mais aussi depuis nous les cœurs. Donc c'est un doigt qui lui amène un démon vers le paradis. Quelques phrases qui nous lient. Quelques phrases qui nous lient des fois par jour, une fois le matin et une fois le soir, avec condition qui nous lient, avec yakin, avec conviction, ça doit aller, lui amène un démon vers le paradis. Donc nous tous, nous avons envie d'un paradis. En tant qu'un qui a iman, nous comptons pour un paradis. Donc nous disons, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, que telle action qu'a fait, lui amène vers le paradis, si vraiment il a désir pour un paradis, nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts pour nous mettre sa bonne action-là en pratique. Sa bonne action que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut associer paradis avec eux, si vraiment nous sincères et nous désirons pour un paradis, nous faisons des efforts, nous mettre sa bonne action-là en pratique. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous. Si nous pas comme ça, doua-la, que Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous apprendre-li, que Allah subhanahu wa ta'ala fait les vins faciles pour nous capables d'apprendre-li, avec ce signification, nous apprendre-li, avec ce signification, afin que quand nous peut demander Allah, ça doua-la, nous peut demander-li avec yakin, avec conviction. نمنوا عليك الله سبحانه وتعالى كالله سبحانه وتعالى فنو بنفسه بك سكنه في انتوده وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين